Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Parle Misakma pour la CAI. En fait, leader noir américain, nous voulons parler de Jesse Jackson. Lui mandait un plan Marshall pour Haïti. N'a répondu pour un plan Marshall. Et ancien président et révérend Jesse Jackson, plusieurs dirigeants haïtiens, ils ont fait une conférence de presse vendredi qui s'est passée là. C'est dans Rainbow Push Coalition pour exiger que Congrès a financer un plan Marshall pour reconstruire le pays d'Haïti. En fait, faut comprendre bien, ça veut dire un plan Marshall. Un plan Marshall, livre, dit. En fait, je te fais un bail comme ça pour le pays d'Europe. On bail tous les moyens, l'argent et les âmes, en d'autres termes, pour reconstruire le pays. C'est ça que le plan Marshall, là, reconstruire le pays. Exiger que le président Biden promulgue un décret exécutif immédiatement pour arrêter toute déportation et expulsion dans la frontière américaine. Et donc, il a supposé traiter avec toute dignité d'après et Révérend Jackson. Et plusieurs leaders haïtiens ont adressé une lettre tout l'ouvri à l'administration Biden, côté que ont demandé service juridique gratuit pour les gens qui ont demandé asile politique. Je demande également à l'administration Biden pour fournir un soutien humanitaire aux migrants haïtiens. En attendant, traitement de dossiers sous forme de nourriture, de vêtements, d'abri et de soins de santé. Leader haïtien a demandé que le vaccin COVID-19 pour administrer à tous les migrants qualifiés. Bon, la gombe haïtienne n'est pas d'accord. Et que l'administration Biden a un statut de protection temporaire. Bon, normalement, pour bon, et un ensemble de bagages, il y a demandé faut prendre vaccin, faut qu'on ça qu'on est là. Afin que vous capable de travailler, vous venez autonome. Bon, nous connaissons, dans le moment où on parle avec nous là, là c'est juste le 29 juillet. Ok? Il y a des débats qui ont demandé pour ta. Et justement, avancer li, après ton demande de terre là, je pense que tu n'as pas le bon bagage, mais jusqu'à présent, Mayokas et pas breeding. Bon, c'est pas la première fois tout. Yo pa jam qui m'a dit ça yon TPS pendant 3 fois pour yo annoncer et ça pa jam fait et yo te fait pour Haïti pendant 2 fois yo fait pour nous la pas oublier 22 mai passé à 29 juillet et bon nous autres nous pas croire que yo va changer de TPS ça clair tenant compte de et mouvement moun k'ap vini yo. Yo vle décourager yo, donc c'est raison ça. Et c'est raison ça qui fait que justement, et pas rien, type ça pas avancer. Et donc, n'a pas rappelé que Jimmy Carter fait demande ça vendredi. Qui se passe là, mais pour jeudi dimanche, ça qui se passe, nous tout connaît. Et côté que Negio kidnappé des Américains. Donc ça montre à clair que il faut que cada Haïti a faut qu'il prenne en charge. OK? Et faut qu'il prenne en charge. Je ne jodi dis international là faut le rendre compte que moun nou gen que yo dit qui c'est premier ministre là, il pas gen aucun pouvoir. D'ailleurs et en bagre te gon dispositif de sécurité renforcé. Et il pas arrivé déposer jeb de fleurs et m'a regardé là et un policier de sécurité président un policier en fait qui fait un pile effort pour ça être capable faire mais ça va arriver fait. OK, mais après le bail pont rouge là son bagage n'est toujours fait. Bon, je venais lui même tout bail ça vague et les boutons de gain pont rouge on bail tête chargé. Bon, et ça nous voulait dire c'est que effectivement, dans une certaine mesure, il faudrait que les États-Unis commencent. Il n'y a pas le choix. Hein? En fait, n'absu, je dis assez dimanche. Non, parce que c'est que, au fur et à mesure, tant donné a montré que l'insécurité, ce n'est pas seulement haïtien, et que des citoyens américains menacés, je pense que les États-Unis, à une certaine mesure, à prendre compte que bien nécessité pour agir dans l'objectif de protéger
l'intérêt américain. Parce que citoyen américain yo trouvé yo jounen jodi a en danger. Donc plus question Jean président Biden nous constater qu'il gon politique non interventionniste. Et c'est ça qui fait qu'il retire col dans Afghanistan. Mais Nevers de l'Est nous pensait que li pa obligé font ti coûté fouté qui t'énervait d'ailleurs qui démissionné pour dire c'est trop à tort. Il faut que justement c'est fouté dit celle politique qu'a mené sans causer kembe toute sa PHT cavlé. Et donc je pensais que fouté pensait que et nouveau pouvoir PHT cap ta supposé fait partie de solution. Donc voilà gage Jean et situation yé nan moment là. Et donc nous autres n'ap suiv pour tout dernier update yo, mais nous pensons que les États-Unis à un certain moment de la durée pral obligé changer de position.